Ketchup, oignon cru. Ketchup et oignon cru. Voilà. Comment on présente Michel Blanc? J'aimerais ça qu'on la présente comme une passionnée du web. OK. Mais c'est large. Ben, c'est ça. Précisément, c'est quoi? Ben, tu vis de quoi au jour le jour? Moi, je vis mes services de consultation en stratégie web, mes réseaux sociaux, de mes conférences, un petit peu de mon blog. Mais tu vois, la création de contenu, là, maintenant, ça devient... Tu sais, c'est un peu comme les artistes, hein? Ils vivent plus vraiment de CD, ils vivent de leur show. Ils vivent des produits dérivés de la création artistique. Alors moi, c'est un peu la même chose. Là, c'est une édition Facebook, Twitter qu'on fait. T'es sur Facebook, oui. T'es sur Twitter. Oui. C'est quoi la différence entre les deux? Facebook, à peu près toute la population du Québec est là-dessus. Twitter, t'as même pas 2% de la population qui est là-dessus. Twitter, c'est les super geeks, les super blogueurs, les journalistes, les faiseurs de tendances, comme par exemple MC Gilles. Par exemple. Puis tu sais, souvent, moi, quand je parle de Twitter, là, je dis que c'est un peu comme un fumoir qu'on avait anciennement dans les entreprises. Si tu passes cette journée-là, ben, tu feras pas de travail. Puis en plus de ça, tu vas puer le crisp. Donc, tu peux pas passer ta journée dans Twitter. T'es un peu la Paris Hilton du web au Québec. Quel beau compliment. Non, mais c'est vrai. Fait qu'on critique beaucoup les médias traditionnels que c'est, parce qu'il y a un petit star système là-dedans, tout ça, mais vous pensez un peu aux médias traditionnels aussi. Non, c'est clair que je pense aux médias traditionnels. Merci beaucoup. Wow. Merci. Merci. Ça fait que ça n'a pas changé, dans le fond. On veut devenir une vedette, mais au lieu de le devenir à radio, à télé, on veut le devenir sur Twitter, sur Facebook. Mais moi, j'ai pas vraiment voulu devenir une vedette. Ta célébrité n'est pas arrivée par le web, finalement. Elle est arrivée par un média traditionnel. Elle est arrivée par les deux, parce que le média traditionnel, c'est intéressé à moi à cause du web. Vous quand je t'avoue, là, c'est pas ça agressif, je suis payé pour ça, là, c'est l'argent. Ben, il y a ça. Ben oui. Le public a posé des questions. Tu sais, Urbania, on est super web. Ah, ben oui. T'aimes-tu le site, d'ailleurs, Urbania? T'aimes-tu non. Ça? Pourquoi? Mais c'est amélioré de beaucoup. C'est le flash hein, que t'as eu. Ben moi, le flash, là. Pourquoi t'as eu ça? Parce que c'est invisible à Google. Puis il manque des textes un peu. Tu sais, il y a des belles photos, mais c'est des grands artistes, là. Mais c'est parce que t'es trop... connais, tu lui diras de m'appeler. Mais c'est parce que t'es trop raide. T'as dû écrire sur Twitter, là, « Le site, Urbania, cochonnerie, non, non, changez jamais... ça. » Non, mais non. T'as écrit quoi? J'ai jamais écrit sur Urbania. C'est Montréal à 12 lieux que j'ai bitché. Mais c'est parce que, tu sais, moi, c'est pas du bitchage gratuit, là. Je dis pourquoi je n'aime pas telle affaire. J'arrive avec des faits. J'arrive avec des solutions. Fait que Urbania, solution. Vos vidéos, au lieu de les mettre chez vous, ouvrez-vous un canal YouTube, mettez-les sur YouTube, pognez le code, mettez-les chez vous. Combien ça vaut ce que tu viens de me dire comme fou? Ça vaut rien parce qu'un conseil gratuit est un conseil qui vaut rien. Alors, ils le feront pas. Pour qu'ils le fassent, il faut qu'ils me payent. Autre question. Celle-là, c'est Laurent Lassalle qui l'a posée, mais il y a beaucoup de monde qui l'ont posé cette question-là, alors il faut te la poser. Est-ce que tu frises naturel? Oui. Mais je dois avouer que j'ai déjà été électrocuté comme je te l'ai dit. Ça vient de là? Ça a peut-être aidé. Ça, t'es allé dans le web. Dans la TV, c'est dangereux? Non, je suis pas trop de bonne technicienne. J'expérimente. Fait que là, ça se peut changer de couleur encore. Là, je pense que je vais aller avec un châtain et des mèches blondes. Ça, tu sais que Cœur de Pirate, elle tweet ça, elle. Tu vas-tu nous tweeter ça, toi? Ta nouvelle couleur? Ben moi, je tweet toutes sortes d'affaires. Ça dépend des moments de la semaine. C'est pas intéressant, ça. Cœur de Pirate? Aussi. Mais le choix de la couleur de cheveux... Ça m'intéresse pas si je dis Michel Blanc de savoir quelle couleur tu t'en vas. Mais t'es pas obligé de m'aller. Ben, je suis pas obligé. Puis, tu sais, ça. Ça m'intéresse c'est... d'autres choses. Non, mais écoute-moi. Je suis pas obligé de m'aller. Mais tu sais, si on revient à l'exemple du fumoir, là. Ouais. Dans le fumoir, là, il y a du monde qui vont te jaser bien, bien sérieux. Mais il y en a qui vont dire, oh, c'est, hier, je suis allé voir un film, mais t'es-tu bon? T'sais? Autre question, Jean Chouinard. Quelle est ta relation avec le web? Lui, il va large un peu. Ben, j'ai une relation platonique. Ah mais, ouais? Mais qui n'est certainement pas plate. Il y a comme 7-8 000 personnes qui te suivent sur Twitter. Moi-même, je te suis. Est-ce que la personne que je connais sur Twitter, c'est la personne que j'ai devant moi? Oui et non.
je suis sur Twitter comme je suis dans la vraie vie. Cependant, il y a des gens qui me disent « t'es tellement transparente, tu dis tout », ce qui est faux. Parce que les gens voient ce que j'écris, mais ils ne voient pas ce que je n'écris pas. Malgré tout, la Michelle Blanc, on connaît très bien parce qu'on te suit partout, on la connaît pas vraiment. Non, on la connaît, mais on n'a aucune portion de la Michelle Blanc. Ce qu'on connaît, c'est vrai. Je vais trinquer à ça, mon cher. Merci. Grand plaisir de te rencontrer. Moi aussi, je m'excuse pour le mon cher, ma chère. Oh, ça va, ça va. C'est parce qu'ils nous ont appris à l'école que le masculin l'emportait sur le féminin. C'est fait que je me l'accoutume. Mm-hmm.